Ce matin, une unité de police d'élite est appelée en urgence. C'est bon, là on descend, on se met en position vers la barrière et puis on laisse Pyro nous passer devant. Là. Sur les hauteurs de Pointe-à-Pitre, les hommes du groupe d'intervention de la police nationale sont dépêchés sur une opération délicate. Là, il y a une action qui prend le coup là. C'est la brigade anticriminalité qui leur a demandé du renfort. Il a revers de la maison et puis nous on va passer par le côté principal. D'accord. Un forcené armé est retranché chez lui et menace de tirer sur tous ceux qui s'en approcheraient. Pour Alain, le chef de la BAC, il faut intervenir rapidement. Greg et Franck, venez. On va se mettre à l'arrière de l'autre côté. Nous, on va descendre et se mettre de l'autre côté pendant que le jeep prend position là. Pour empêcher le forcené de s'échapper, les hommes de la BAC encerclent la maison à l'affût du moindre mouvement. Bon, la BAC est positionnée autour de la maison, hein, les gars, en soupirant. Et si les policiers prennent autant de précautions, c'est que le profil du forcené est plutôt inquiétant. Ce sont deux infirmières psychiatriques qui ont donné l'alerte. C'est un individu qui refuse des soins. En fait, les infirmières sont passées chez lui ce matin, il a tiré des coups de feu. Donc on va essayer de faire sortir la personne tranquillement pour qu'il soit pris et interné par le SAMU. Là. Il a des problèmes psychologiques, il est connu pour usage d'armes, etc. Donc on fait quand même attention. Les hommes du GIPN forment une colonne d'assaut et investissent le jardin. À l'arrière, les policiers de la BAC sont prêts à faire feu. C'est alors qu'un homme fait irruption, le père du forcené. Est-ce qu'on peut entrer là ? Non, mais on peut rentrer par là. Oui. Bon, bah venez, vous allez nous montrer. Le père va tenter de nouer contact avec son fils pour essayer de le raisonner. Mario, on va pas là, on va pas te manger là. Mais les tentatives du père restent vaines. Mario, tu m'entends? Mario, tu vas sortir, ouvrir la tête tranquillement, les mains sur la tête. Tu as reçu? Tu ouvres la porte et tu sors. Bon, visiblement, il ne nous entend pas. Bon, on va chercher le billet. Le forcené, un homme de 27 ans, n'aurait pas toute sa tête. Sous traitement médical, il est sorti de l'hôpital il y a seulement quelques jours. Sans aucun signe de sa part, le GIPN décide de forcer la porte. Bouge-toi. Voilà, donne tes mains. Donne tes mains. Voilà, tranquille. Voilà. Que j'ai mieux fait. Okay. Ah oui, t'inquiète pas, ça ira. En plein délire paranoïaque, l'individu est retrouvé dévêtu dans sa maison. Il est appréhendé alors qu'il était sur le point de se saisir d'une arme blanche. Quand on est rentré pour se défendre, il allait se saisir de ça. Regarde la pointe avec le bois. C'est ce qu'il y a, ouais, il se dirigeait vers ça. D'accord. Ce couteau est monté sur un bâton, et ça, si on prend ça en plein de gorge, c'est fini, quoi. Les policiers sont maintenant à la recherche de l'arme à feu qui aurait servi à menacer les infirmières. Mario, est-ce que tu as une arme ici? Elle est où? J'ai pas d'arme sur moi. Si, tu as tiré sur les infirmières ce matin. Non, j'ai pas tiré sur moi. Où est ton arme? C'est un petit fusil à plomb, ça, on est là. Et il est où ton fusil à plomb? C'est derrière. Et tu n'as pas tiré avec? Non, j'ai pas tiré sous. Donc les infirmières ont rêvé alors? Derrière les toilettes, les forces de l'ordre récupèrent un pistolet à grenaille. Une arme de défense qui, une fois modifiée, peut servir à tuer. T'as fait des bêtises ce matin? Non? Des bêtises? C'était juste pour éduquer les gars. Ah, c'était juste? Mais... Les personnes, quand ils viennent en blanc comme ça, là, les pompiers, ils viennent pour te soigner, pour t'aider. C'est pour t'apporter des soins, ils viennent pas pour t'agresser. Donc, c'est pour ton bien. On va te donner un petit médicament pour te calmer, là. Les médecins vont voir ça, d'accord? On va dans l'ambulance, ok? Donc, ne t'inquiète pas. Suis les collègues tranquillement. Merci. Personne ne sera agressif avec toi. Ok? Viens. Par la suite, l'homme reconnaîtra les faits et sera interné en hôpital psychiatrique.
si les moyens d'intervention peuvent paraître importants, c'est qu'ici, les forces de l'ordre ne se permettent aucune prise de risque. Car sur l'île, la circulation des armes à feu est un vrai fléau. Depuis plusieurs années, la Guadeloupe subit une vague de violence avec armes sans précédent. Si cette île de 400 000 habitants connaît une croissance de son économie touristique, en arrière-plan, le sang coule dans ses quartiers. Loin des plages paradisiaques et des centaines de milliers de touristes qui viennent découvrir l'île chaque année, la carte postale est bien différente. À l'origine de cette flambée de criminalité, la drogue importée du Venezuela. La Guadeloupe est aujourd'hui une escale pour les narcotrafiquants qui souhaitent envahir le marché européen. Entre business et dépendance, les stupéfiants sont la cause de nombreux faits divers. Mais ce n'est pas tout. Depuis l'année dernière, les vols à main armée ont flambé, tout comme les cambriolages en forte hausse sur le département. Cette délinquance touche une frange de la population de plus en plus jeune qui n'a aucune difficulté à se procurer des armes. Entre règlement de compte et violence gratuite, les forces de l'ordre présentes sur place mènent un combat acharné. Nous avons suivi le quotidien des hommes de la brigade anticriminalité et du GIPN, une unité d'élite de la police. Immersion au cœur des quartiers chauds de la Guadeloupe. À 14h30, commissariat de Pointe-à-Pitre. Une équipe de la BAC débute à peine son service que déjà, elle est appelée sur une agression par arme à feu. Ouais, donc dans un premier temps, on va se rendre également cours Volette, secteur carénage. Est-ce que vous avez des éléments supplémentaires éventuellement sur l'auteur de ces violences par arme à feu ? Aucune information pour l'instant, aucune information. Direction carénage, l'un des quartiers les plus défavorisés de l'île. Les pompiers sont déjà sur les lieux et les habitants du quartier commencent à s'attrouper. Reste pas là parce qu'on va se retrouver coincé si on veut se barrer. Sur place, Franck, le chef de patrouille, découvre des indices d'une fusillade. Il y a deux là, là-bas. Ouais. Il y a deux là aussi. Où ça ? Là. Des balles jonchent le sol. Des projections de sang sur le mur et une victime. Les secours tentent de sauver un homme alors qu'il vient d'essuyer plusieurs tirs. On sait combien d'impacts il a reçu ? Trois. Là, il y a un qui saute par là, à la main aussi, et au niveau de l'épaule. Là, pour l'instant, on a un individu qui a été blessé par arme à feu. On a retrouvé déjà trois douilles à terre de calibre 9 mm. Et actuellement, les pompiers le SAMU s'affairent sur la victime pour essayer de la sauver, tout simplement. Messieurs, dames, je vais vous demander de reculer plus loin. Pour conserver la scène de crime intacte, les hommes de la BAC établissent le périmètre de sécurité et commencent leurs investigations. Il y a une douille, là. Il y en a une là aussi. Tiens, il y en a une là aussi, là. Une dizaine de douilles sont retrouvées sur la scène de crime. Franck et ses hommes marquent les emplacements afin que rien ne soit déplacé avant l'arrivée de la police judiciaire. Ah, il y en a deux là. Là, il y en a une à votre pied là. L'enquête de voisinage peut commencer. Qui c'est qui a appelé les pompiers ou les... C'est vous qui avez appelé les pompiers ? Ok, d'accord. C'est vous qui avez entendu ou... J'ai entendu tout. Ouais. Je me suis réveillé, mon pote lui il m'a dit que bon, mais quelqu'un a fait là, vite comme ça, il est cassé là. Quelqu'un a fait là qu'on a regardé, ouais. On a vu lui de sortir, il est sorti devant sa porte. C'est passé en haut ? Je sais pas où ça s'est passé, mais moi quand je suis sorti, j'ai vu qu'il était devant sa porte. C'est la seule chose que j'ai vu quand j'ai ouvert ma porte, j'ai vu qu'il est tombé, paf. Alors je l'ai appelé. J'ai dit, ouais, il veut vite ça. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé l'ambulance. Ce témoin ne donnera aucun détail sur l'assaillant. Dans ce quartier, c'est l'omerta qui règne. Malgré la présence de nombreux individus sur place, personne n'a rien à dire aux enquêteurs. Est-ce que vous avez vu quelque chose ? Non. Vous avez entendu quelque chose ? Non. Personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. Au moins 10 coups de feu, mais personne n'a rien entendu alors qu'ils habitent tous ces uns sur les autres, forcément.
L'individu blessé par balle est emmené d'urgence au CHU de Pointe-à-Pitre. Maintenu en vie artificiellement, il décédera quelques heures plus tard. De leur côté, les enquêteurs tentent de retracer le parcours du meurtrier. Mais sans véritable témoignage, l'enquête est au point mort. C'est un quartier qui est gangréné, malheureusement, par la délinquance stupéfiant, prostitution. Donc, fatalement, il y a des enjeux. Et ça crée des rivalités et souvent des règlements de compte. Voilà. Et tout ça concentré sur une surface assez réduite. Le secteur de Carénage est l'un des quartiers les plus pauvres de la Guadeloupe. Drogue, prostitution et délinquance se concentrent sur une zone d'à peine quelques kilomètres carrés. Solange le sait mieux que n'importe qui. Elle a créé ici en 1988 une association qui offre un toit aux plus démunis. Tu arrives à nettoyer un petit peu ? Oui, madame. Wow, c'est tout propre là. Mitch, l'individu tué par balle, y résidait depuis 5 ans. Chez Mitch, si vous aviez vu sa maison, comme elle est belle, il avait vraiment bien réparé son truc. C'est là qu'il était, où il y a le drapeau. Carénage, c'est un quartier, disons, le plus assez populaire, défavorisé, assez malfamé. On est en plein dans la délinquance, dans la zone. C'est une zone sensible. Ils fument, ils se droguent, comme ils ne travaillent pas, ils vont chercher, ils vendent de l'herbe, de la drogue, des choses comme ça. Parce que quand tu n'as pas de besoins, tes besoins ne sont pas satisfaits, qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, tu tombes dans la délinquance, tu vas voler, tu vas prendre des armes, tu vas te défendre parce que tu vis dans un milieu violent. Tu n'as pas de sécurité toi-même, donc tu vas aussi en créer. En Guadeloupe, une des principales causes des règlements de compte avec armes à feu est le trafic de drogue. Une activité très lucrative sur le territoire. 20% de la cocaïne saisie en France passerait par les Antilles, le plus souvent par voie maritime. Ce matin, au commissariat, une opération d'envergure attend justement les hommes du GIPN. Bon, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, nous allons procéder à l'escorte, comme prévu, des grosses saisies de stupéfiants qui ont été effectuées récemment. Donc, on va prendre des mesures quand même particulières, parce qu'il y a une valeur marchande très importante pour cette cocaïne, hein, de plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc, les deux motards qui ouvrent le convoi, composés du 4x4, avec les collègues donc, équipés d'un fusil d'assaut. La marchandise sera stockée dans notre fourgon GIPN. Le monospace avec donc 5 collègues à l'intérieur, les véhicules à la police judiciaire et le convoi fermé par un motard. Ici, les transferts de drogue sont réalisés plusieurs fois par an. Un convoi exceptionnel qui nécessite les plus grandes précautions. Toute mission sensible à risque, GIPN forcément est appelée puisqu'on est l'unité la mieux préparée et la mieux équipée pour répondre à des dangers particuliers. Effectivement, il y a quand même ici une certaine délinquance, des gros voyous. Donc on doit être vigilant et on met toutes les forces et tout le matériel de notre côté pour répondre à n'importe quelle attaque. Cette année vient à peine de commencer et déjà, une saisie record mobilise toutes les équipes. Début janvier, les forces de l'ordre ont intercepté près de 1000 kilos de cocaïne disposés dans ces sacs, ces cartons et ces ballots. Alors nous sommes en face d'un peu plus d'une tonne de cocaïne qui ont été saisies donc en plusieurs fois sur le port de Jarry. L'objectif là-dedans, c'est de mener à la destruction cette marchandise dans les conditions de sécurité optimum. Le convoi prend la direction du nord de l'île à destination d'un centre d'incinération. Pas moins de 8 véhicules sont nécessaires pour assurer la sécurité. La perte financière pour les réseaux de trafiquants de drogue est très importante, près de 39 millions d'euros.
Les autorités ne prennent pas le risque d'une attaque sur le convoi. À partir du moment où vous touchez leur drogue et leur argent, bon bah voilà, ça peut provoquer certaines réactions qui peuvent nous mettre en danger en tout cas. On peut se préparer à un maximum de situations. C'est important de pas être à l'arrêt. Bon, bah, des fois, c'est une obligation. Hein. En tout cas, faut, dès qu'on est à l'arrêt, il faut être un peu plus vigilant. Hein. Donc on devient une cible plus facile. 25 minutes après le départ, le convoi arrive à destination. Une entreprise guadeloupéenne est réquisitionnée pour incinérer la tonne de cocaïne et d'autres saisies effectuées au cours des dernières semaines. Pour des raisons de sécurité, le lieu est tenu secret. Pendant toute cette opération, je vous demande de sécuriser les points d'entrée et de sortie. Vous en avez un à gauche, vous en avez un à droite. Pour le déchargement dans la benne, on peut y aller. Il reste deux sacs. La marchandise est jetée dans son intégralité. Incinéré dans de grands fourneaux, il faudra plus d'une heure pour brûler l'ensemble des saisies. Une satisfaction pour les forces policières de Guadeloupe. Alors là, le matériel est détruit à 1100 degrés. En fait, il ne reste plus rien. Comme vous voyez la flamme et ce qui se passe devant, la marchandise arrive là. Et en fait, le temps de descendre et d'être au contact de la flamme, au vu de la température, eh bien, tout est incinéré, tout est fondu. En fait, on ne voit plus de résiduels d'ailleurs. En tout cas, ça fait un gros paquet de drogue qui ne sera pas distribué sur le territoire métropolitain ou européen et qui ne sera pas destiné à la consommation d'un certain nombre de personnes. Grâce à ces opérations, les autorités cherchent directement à déstabiliser les narcotrafiquants. Mais le trafic de stupéfiants n'est pas l'unique cause de violence avec armes sur l'île. C'est parfois pour des motifs bien plus futiles que la violence monte d'un cran. Centre-ville de Pointe-à-Pitre, 17h. Un lycéen court se réfugier dans son établissement scolaire. Il vient de se faire poignarder à la sortie des cours. En patrouille sur le secteur, l'équipe de la BAC se rend sur place. C'est Greg qui dirige les opérations. Alors, on a des infos ou pas? Salut. Oui, bonjour. Alors, c'est deux hommes. Un au gris débardeur. D'accord. Avec une capote sur la tête et des cresses. Et un torse nu. Mais le reste, ils ne savent pas. Il y en a un qui a des sandales, mais pas plus de descriptions. Tout ça, on ne sait pas. Voilà, ils ne savent pas. Ça s'est passé très vite. Malgré ces maigres indices, Greg et ses hommes vont tenter de retrouver les suspects dans les rues de Pointe-à-Pitre. Il s'agirait de deux mineurs, âgés seulement d'une quinzaine d'années. Un torse nu, un haut gris, filé dans la tête. Bon, c'est mince comme truc, mais il y a quand même deux, trois infos. Donc, filé dans la tête, haut mince, gris. Non. 15 minutes plus tard, un jeune homme ressemblant à la description croise la route de la BAC. C'est ici. Hip, et là. Il veut pas, va. Ouais, c'est un département de BAC Alpha, individu pouvant correspondre, t-shirt gris, débardeur gris, en direction de Fils vers Perrin, vers Mickel. Après avoir tenté de semer les policiers, le suspect est interpellé dans la cité voisine. Il avait juste un jour son anti-art. Mais c'est vrai, on prend la poussade, il m'a le monté. Dépêche-toi. Tu bouges pas. Je vais voir, je refais mon compte vert. Greg refait le trajet emprunté par le jeune homme pour vérifier s'il ne s'est pas débarrassé d'une arme. Vu que le signalement correspond, à un des deux mecs en fuite pour le lycéen poignardé là, qui est inconscient et ses jours sont en danger, donc quand on l'a appelé, il a voulu à tout prix partir. Et débardeur gris, ça peut correspondre. Donc je regarde si c'est pas débarrassé du couteau avec lequel il a planté le jeune. Au moins, on va le ramener en premier temps, là. S'il correspond, qui peut être reconnu, ça sera super.
Greg n'a finalement rien trouvé. Le jeune suspect est ramené au commissariat, où il passera la nuit en garde à vue. T'étais tout seul ? Oui, toujours de chez moi. Je sors de chez moi. Il sera entendu le lendemain par les enquêteurs. Quatorze heures plus tard, l'affaire a pris un nouveau tournant. Ce matin, un adolescent de 15 ans s'est présenté au commissariat. Il a reconnu être l'auteur des coups de couteau. De son côté, l'officier de police judiciaire, Cyril, veut d'abord se rendre au chevet de la victime pour entendre sa version des faits. On va voir la victime au service de réanimation, celle qui a été piquée, qui a pris les multiples coups de couteau hier soir, médicalisée par le SAMU. Elle est en réanimation, on va voir simplement si on peut déjà aller éveiller, si on peut lui poser 2-3 questions. Direction le CHU de Pointe-à-Pitre, où la victime, âgée de 18 ans, est toujours dans un état grave. Mais son pronostic vital n'est pas engagé. Bonjour. Au lendemain de l'agression, le jeune homme est faible, mais il peut répondre à quelques questions des enquêteurs. Qu'est-ce qui s'est passé, de quoi tu te souviens ? Les deux, tu les connais ? Celui que tu as tenu par le col, c'est celui qui t'a donné les coups de couteau ou pas ? Non. Non, c'est celui qui est dans le lycée. D'accord. C'est mon couteau, il s'appelle comment celui que t'as donné ? Tu le connais bien aussi, le garçon ? Oui. Si on te montre une planche photo, tu n'arrives pas à le reconnaître ? Est-ce que tu le connais là-dessus ? T'as le numéro qui est vrai. Le numéro 4 ? Bon, c'est lui, il a déjà interpellé. On l'a eu déjà. Il a reconnu les faits. On va attendre que tu sois dans un service un petit peu plus adéquat pour qu'on puisse positionner. Bon courage. Malgré son état de santé, la victime a pu donner des informations précieuses à la police. Après renseignement, le deuxième agresseur, lui aussi lycéen dans le même établissement que la victime, est en stage en entreprise. Les enquêteurs partent aussitôt l'arrêter. Après 5 années passées dans la police judiciaire, Cyril est habitué à ces violences avec armes, entre jeunes, pour des motifs souvent dérisoires. D'après ce qu'on a comme information, c'est une violence pour récupérer une dette. Une dette, un achat de vêtements, et la victime n'aurait pas payé ou la totalité ou une partie des vêtements à celui qu'on est censé aller chercher. Et voilà, donc moyen de recouvrir les dettes, c'est un coup de couteau, c'est faire comprendre les choses avec violence. Oh, reste là, t'embête pas. Hein. Bonjour. Bonjour monsieur, on est du commissariat de Pointe-à-Pitre. Pardon ? On est du commissariat de police de Pointe-à-Pitre. Oui, je suis désolé, on vient d'appeler. D'accord. Tu sais pourquoi on vient, Freddy ? Voilà. On va partir avec le jeune homme. Oui. Mais c'est juste qu'on a besoin de l'entendre très 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 rapidement. C'est son école qui nous a dit où il était. D'accord. Résigné, le jeune homme suit les policiers sans dire mot. Retour au commissariat de Pointe-à-Pitre. Les deux mineurs vont être auditionnés. Comment ça se passe quand vous vous rencontrez ? Je l'ai appelé. En fait, je n'avais même pas le tapis, j'allais lui parler. Après, il allait courir, alors je l'ai tenu. Après, il m'a donné un coup de poing, après, je me suis défendu, je l'ai coupé, mon ami là. Il a donné un coup de tête, après, c'est quand on parle, je vois qu'il a un couteau dans ses mains, il est en train de suivre. Je ne savais même pas qu'il avait donné des coups de couteau. Comment on arrive à ce coup de couteau ? Comment ça se fait ? Je n'ai même pas fait attention à ça. C'est après, quand on est parti, j'ai vu qu'il avait un couteau dans ses mains. Ce mineur est celui à qui la victime devait de l'argent. Même s'il reconnaît l'altercation, il nie avoir demandé à son ami d'utiliser un couteau. Dans la deuxième pièce d'audition, l'auteur présumé des coups de couteau est plus agité. Donc, à quel moment, toi, tu décides de retirer ton couteau alors ? D'accord. En face, comme s'ils étaient en train de se battre en face là. Et moi, je retire, et puis je conduis. Alors, est-ce que tu te souviens combien tu en as donné ? Je dirais
7, 8. Le jeune homme, âgé de 15 ans, ne prend pas la mesure de ses actes. Il prend même l'affaire à la rigolade. Plus il donne des coups, plus je vois, plus il donne des coups, plus je donne, plus il donne des coups, plus je donne. Au final, moi, je vais continuer. Et en fin de compte, tu aurais pu en donner d'autres, c'est simplement que le gars a pu se défaire avant. C'est ce que tu m'expliquais hier ? Ouais. Ah, d'accord. Malgré l'interrogatoire, l'adolescent ne réalise toujours pas la gravité de son agression. Ah, t'as de la chance, la victime ne va pas mourir. Tu l'as touché qu'une seule fois. Ah bon ? Ouais, t'as donné 7 coups, t'as donné des coups dans les vêtements. Et une seule fois où tu l'as touché. Mais tu l'as bien perforé quand même. Hein. La lame, elle est rentrée entièrement, parce qu'on a sur son corps, on a la marque du manche de la lame. Entre les coups. T'as frappé fort. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Tant mieux pour toi ou c'est bon, tu l'avais bien touché ? C'est bon quoi ? Vas-y, va au fond de ta pensée. C'est bon, tu l'as bien touché, c'est bon pour toi quand même. D'accord. À aucun moment, le jeune homme n'exprimera ses regrets. Si le premier suspect sera mis hors de cause, le deuxième, auteur des coups de couteau, sera mis en examen pour tentative de meurtre. Il risque jusqu'à 15 ans de prison. Ces violences ont longtemps eu un impact négatif sur la principale économie de la Guadeloupe, le tourisme. À tel point que certains croisiéristes ne veulent plus y faire escale. Pour enrayer ce fléau, les autorités ont mis en place des mesures drastiques, notamment à Pointe-à-Pitre. Plus de patrouilles policières, près d'une cinquantaine de caméras de vidéosurveillance installées aux abords du port, et un nouveau dispositif d'accueil pour les touristes, dont Teddy est le responsable. Vous regardez aussi l'environnement physique. Qui est là? Qui pourrait éventuellement avoir une attitude douteuse, suspecte? Et ensuite, vous prenez votre poste. Soyez vigilants. Très bonne journée à vous et aimez ce que vous faites. À chaque arrivée des bateaux de croisière, Teddy disperse ses équipes à travers la ville. Grâce à leurs t-shirts facilement identifiables, ils viennent au contact des touristes pour leur donner quelques règles de sécurité. C'était juste pour vous sensibiliser un peu, pour éviter que vous ne sortiez en fait vos objets de valeur. Donc tout ce qui est appareil photo, les bijoux en or, oui. Pour éviter d'attirer l'attention. D'accord. Même des fois quand il y a trop de monde, moi je porte mon sac comme ça. Ouais, exactement. Comme ça, on ne peut pas l'ouvrir. Ce dispositif est unique en France. Aujourd'hui, Teddy collabore même avec les différentes unités de police. On travaille en synergie avec la police nationale, la gendarmerie nationale et là, la brigade VTT. Si nous rencontrons un problème, donc on les appelle de suite. Ils interviennent dans la minute de suite. Donc voilà, ça se passe comme ça. Tous ces efforts portent aujourd'hui leurs fruits. En 6 ans, le tourisme de croisière a augmenté de 400% en Guadeloupe. Près de 320 000 passagers débarquent ici chaque année. Point de passage obligatoire pour les visiteurs, le centre-ville de Pointe-à-Pitre, où les policiers de la BAC multiplient les patrouilles. Un maghrébin, t-shirt rouge avec des sandales, actuellement ruinosier, c'est reçu. Il a un sandal, il a un t-shirt rouge. Direction la rue Frébeau, l'une des artères les plus commerçantes de Pointe-à-Pitre. La BAC est appelée pour retrouver deux individus qui viennent de commettre des vols dans différents magasins du centre-ville. Visiblement, ils ont commis plusieurs vols dans des magasins dans la rue Frébeau, notamment dans une pharmacie. Est-ce qu'on peut avoir un contact avec un des commerçants? La dernière position connue de l'individu. Un petit mec en t-shirt rouge. Il porte des sandales en style. Il est de type maghrébin, ouais. Ouais, ici, on l'a vu là. C'est pas lui? Ouais, je pense que c'est pas lui. Il avait rien sur lui, de toute façon, déjà. Mais est-ce qu'il est en t-shirt et en sandales? Oui, t-shirt rouge, sandales, oui. On aurait dû l'amener, c'est lui. Toutes les unités sont appelées en renfort, car les commerces sont régulièrement victimes de braquages dans cette zone. Cette fois, le vol s'est déroulé sans violence, et il ne faudra que quelques minutes pour retrouver l'un des voleurs, bien connu des services de police. Ouais, nous sommes en présence avec les gendarmes d'un individu, t-shirt rouge, un collier de barbe et puis chaussée de sandales. Est-ce qu'il y a un commerçant qui peut le reconnaître ? Cet homme est accusé avec un complice d'avoir volé des produits dans cette pharmacie.
Et ils sont les produits que tu as pris. J'ai rendu au monsieur parce que mon autre pote est parti. Lui, il a couru, c'est lui que vous cherchez, c'est pas moi. D'accord, et ton autre pote, c'est qui? Eh non, non, non. Ne me dis pas ton pote de la rue, tu vas voler avec lui, tu sais même pas comment il s'appelle, ça. C'est qui? Je ne connais pas. Je suis aucunement méchant. Mais oui, aussi, nous, on te connaît, arrête de pleurer. Tu sais que tu as vu ça? C'est qui était avec toi? Oui. Eh ben voilà, c'est ça, je te demande. Il est plus intelligent que toi. Parce qu'il te fait voler et puis il se tire. Mais on aura le temps de régler notre compte avec lui. T'en fais pas. L'homme se défausse. Les policiers vont chercher à obtenir plus d'informations auprès de la pharmacienne. Mais là encore, la tâche s'annonce difficile. On les a mis en prison une soirée. Mais je sais. Avec une tête. Et le lendemain, ils sont revenus nous voler. Je sais. Vous nous rappelez. Et on sera encore là. Il nous a dit. Il va nous poignarder. Moi, d'ailleurs, je viens travailler. Justement, on s'en parle. Je travaille à pied. Il vous a menacé, il a menacé de vous poignarder? Oui, est-ce que vous avez déposé plainte pour menace de mort? Non. Bah, voilà. Donc, ils agissent en toute impunité. Bien sûr. Mais il faut déposer plainte, madame. Si on dépose plainte, qu'est-ce qui m'arrive demain? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Il vous arrive rien. Si je meurs, je monte plainte contre. Mais madame, il vous arrive à rien. Mais si vous arrangez votre chaîne, alors qu'est-ce que vous faites? Alors, vous ne venez pas nous voir? Par peur des représailles, la pharmacienne refuse de confirmer si l'homme arrêté est bien le voleur. Elle ne veut pas non plus porter plainte. Bon, allez, ça va. Même s'ils ont l'habitude de ces réactions de la part des victimes, les policiers de la BAC quittent les lieux exaspérés. Il n'y a pas de dépôt de plainte. Aucun des commerçants ne dépose plainte. Ce genre de situation, ce n'est pas la première fois et ce ne sera pas la dernière fois qu'on la rencontre. Hein. Ce n'est pas grave. Une fois de plus, il faut faire de la pédagogie, il faut dire aux gens, mais malgré tout, il faut déposer plainte. En Guadeloupe, seulement 20% des agressions sans violence entraînent un dépôt de plainte. Mais le problème, c'est lorsque personne ne parle pour des faits beaucoup plus graves. Nouvel acte de violence en ce début d'année. Les Abîmes Théâtre, encore une fois, d'un règlement de compte. Un jeune a été abattu hier soir, section 4 chemins. Détail à venir. Il y a quelques mois, la Guadeloupe a replongé dans ses heures les plus sombres. En 72 heures, 5 meurtres ont été commis. Le dernier sur un jeune homme de 20 ans. Il a été touché dans le dos par plusieurs tirs de fusil de chasse. Malgré de multiples tentatives, les secours ne parviennent pas à sauver la victime. Sur place, le commissaire divisionnaire Tomatis ne peut cacher son désarroi. C'est un chaud, triste week-end. Oui. Vous voyez qu'il y a quand même des dispositifs pour à la fois normalement assurer la sécurisation et pour assurer du coup le périmètre de sécurité pour permettre les constatations. Encore une victime d'une vingtaine d'années et qui habitait le quartier. Les hommes de la BAC tentent d'en savoir plus auprès des voisins. Mais dans ce qui ressemble à un règlement de compte entre jeunes du quartier, une fois encore, les habitants ont peur de parler. Vous avez vu quelque chose? Non, j'ai rien vu. Mais personne chez vous n'a rien vu? Non. On a rien vu. Moi, personnellement, j'ai rien vu. Attendez. C'est quoi, les Les jeunes du quartier, vous les connaissez? Vous ne serez pas nommé dans l'histoire. Les gens, il y a des témoins, mais bon, maintenant il faut les convaincre de témoigner. Pour voir, essayer de voir un peu l'identité et d'éventuels témoins. Qu'est-ce qui arrive souvent? Les gens ont peur? Mais c'est vrai, les gens s'imaginent toujours de représailles et tout. Ils n'aiment pas trop. Comme on disait tout à l'heure, quand c'est un truc sérieux, personne ne veut le voir. Mais dès que la police intervient, là, tout le monde est... La maman du jeune homme vient d'arriver sur les lieux. Son fils rentrait à la maison quand il a été abattu froidement dans le dos. Tu restes avec la maman? Hein? Tu restes avec? Oui. Vous l'avez vu quand partir? Non, il est 2h30, il m'a dit qu'il va avoir le pot. Avec son ami. Et c'est tout. Lors de son ami? Oui. D'accord. Okay. Et en plus, il m'a dit que j'étais un petit peu fatiguée. J'ai dit, je me repose un petit peu, mais comme, malheureusement. J'ai 7. Oui.
J'ai tout fait. J'ai tout fait. Pour ne pas suivre les autres. Ouais. Mais pour eux, que dès qu'ils sont majeurs, c'est ouais, fini. Dans ces quartiers difficiles, la jeunesse est en proie au chômage qui atteint ici des chiffres records. Il touche 65% des jeunes de moins de 25 ans. Faute de travail, les activités illicites deviennent pour eux le seul recours. Depuis quelque temps, les policiers assistent à un nouveau phénomène de délinquance, les vols de scooters. Les jeunes s'en servent pour commettre des méfaits comme des braquages. Avec une particularité, ici, c'est encore avec une arme qu'on braque leur propriétaire. Greg est justement appelé pour un scooter qui vient d'être volé à l'aide d'une arme à feu. Une cartouche par terre. Apparemment, ça a tiré. Hein. Là, il vient d'y avoir, en fait, il y a quelques minutes, un vol à main armée commis au préjudice d'un gars monté sur un scooter. C'est incroyable quand même, voler un scooter, mais avec une arme à feu. Il n'y a pas de petit profit. Aussitôt l'alerte donnée, les hommes de la BAC partent à la recherche du scooter. Il suffira de quelques minutes pour retrouver la trace du deux-roues. Allô ? C'est quoi ça ? Ok, c'est bon. Les policiers de la BAC s'engagent dans une course-poursuite. Putain, c'est fou ça. Ah ouais, là, d'accord. Putain, heureusement qu'on a le 4x4. Vas-y. Je passe ou pas là ? Sauf que là, il a pris le bout des abîmes. Non, mais tu peux pas aller là. En s'engouffrant dans la forêt, le voleur du scooter a réussi à semer l'équipe de la BAC. C'est une des difficultés de la Guadeloupe. La forêt dense complique le travail des policiers. Il a pris un chemin dans la pampa là derrière. Là. Et en montant tout en haut du mont en scout, il a réussi à retomber, à ressortir de l'autre côté. Mais on peut, même avec le 4x4, on ne pouvait pas. Il y avait trop de cailloux, des gros trucs, des racines. Ouais, hein. Donc il a réussi à prendre en direction du bourg des Abîmes. Mais après, on ne sait pas où il a fait. Hein. Cette fois, Greg n'a pas eu de chance. Mais quelques minutes plus tard, une autre équipe de la BAC réussit à intercepter le voleur et son complice en plein milieu de la forêt. T'es passé où tout à l'heure là ? Hein ? Quand t'as monté le monde, t'es passé jusqu'où là tout à l'heure ? Tout droit ? Tout droit là tout à l'heure là ? Oui, j'ai fait tout droit. Et après en centre-ville ? Non, j'ai fait tout droit. Et t'es revenu là ? Ça c'est le scooter qui fait la grogne. Preuve que la technique des deux suspects est bien rodée, le scooter, braqué à main armée il y a moins d'une heure, est déjà désossé. Un peu plus loin, un autre deux roues était en train de subir le même sort. Là, ils sont en train de désosser un autre scooter. On va essayer de trouver le numéro C aussi. Allô sur celui-là. Oui, tu peux. Ils sont pas là pour... C'est un garage improvisé. Ok. Deux, trois scooters, ils en font un seul avec, comme ça après nous, quand on retrouve le scooter, il y a une moitié de pièce qui est volée dessus, une moitié qui n'est pas volée, on ne sait pas trop à qui il est, le propriétaire ne le reconnaît pas et tout. C'est une petite entreprise bien rodée. Aucune arme ayant servi à braquer le propriétaire du scooter n'est retrouvée sur les lieux. Les deux suspects sont quand même ramenés au commissariat central. Vous jouez, vous faites job là. T'as joué, t'as perdu aujourd'hui, garçon. Ok ? Durant le trajet, Greg va tenter de mettre la pression sur l'un des jeunes pour qu'il se livre aux enquêteurs. Il faut un peu qu'on mette les choses en état là. Et, d'accord ? Tu es dans une affaire quand même, faut te dire, c'est pas qu'un petit vol de scooter. D'accord ? Donc je te le dis moi, d'accord ? Donc t'as intérêt à parler. Parce que là, il y a eu un braquage, d'accord ? Un vol à main armée. Donc que tu veuilles dire que c'est toi ou que c'est pas toi, peu importe. Maintenant t'es là avec le scooter, t'es pris avec le scooter qui vient d'être dérobé. Oui, volontairement, ok. Bon, et on arrête de parler. Ok, t'as entendu ? Tu t'expliqueras tout à l'heure au commissariat, j'arrête de parler avec toi, j'en ai marre. Tes bêtises là, ça commence à bien faire. T'es pris. Point barre. Les deux jeunes hommes vont être placés en garde à vue. Pour braquage à main armée, ils risquent jusqu'à 20 ans de prison et 150 000 euros d'amende. Mais ces vols de scooters vont parfois encore plus loin et peuvent connaître des fins tragiques. Le Moule, à une trentaine de kilomètres de Pointe-à-Pitre.
C'est dans cette maison qu'a grandi Daniel avec ses parents. La nuit dernière, Daniel a été abattu d'une balle en pleine tête par deux hommes qui lui ont volé son scooter. Le jeune homme n'avait jamais eu de problème avec la justice. Il venait de terminer ses études, il avait 23 ans. Aujourd'hui, c'est toute une famille qui pleure, en particulier sa maman, Siranette. Je lui ai parlé vers 10h30. Il m'a parlé, il m'a dit « Maman, je viens, je suis à Saint-Trois, j'arrive tout de suite. » Je suis resté là, à l'attendre. Après, à 11h30, je l'ai téléphoné. Il ne m'a pas répondu. À minuit, j'ai téléphoné. Il ne m'a pas répondu encore. Puis à 3h, encore, j'ai envoyé un message. Plus rien. On posait des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne savait pas. On me pose beaucoup de questions. Il y a 5h du matin, les gendarmes m'ont appelé. Oui, mon fils, c'est déjà rentré. Il a dit, mon fils n'est pas encore rentré. Ils m'ont dit, mon fils est mort. J'ai dit, c'est pas vrai ça, mon fils n'est pas mort. Si c'est déjà quoi vous faites avec moi, dis-moi ça tout de suite. Le gendarme m'a dit, non, ton fils est mort. Ça s'est mal passé pour moi. Moi, je l'accepte pas ça. Parce qu'on a tué mon fils. C'était mon garçon. C'était mon seul enfant. Il était tout pour moi. J'avais des projets pour lui. Maintenant, j'ai plus rien. Je sens un vide dans mon corps. Il faut faire quelque chose en Guadeloupe. Il faut faire quelque chose. Trois jours après le meurtre de Daniel, l'enquête avance. Ce matin, l'équipe du GIPN passe à l'action. L'un des auteurs présumés de l'homicide aurait été localisé dans un appartement d'une cité sensible de Lille. Ouais, bonjour à tous. Sous le principe d'action, vous le connaissez, donc notre colonne d'assaut, l'effraction, et après on se déploie à l'intérieur comme on sait le faire. On se prépare, on prend le matériel et on est prêt à partir à 27. L'intervention se déroulera à 6h du matin, comme le veut la procédure de perquisition. Les hommes de l'unité d'élite s'équipent lourdement. Toutes les précautions sont prises pour affronter des individus susceptibles d'être armés. C'est dans le cadre d'une affaire criminelle, donc ce sont forcément des individus dangereux qui n'ont pas hésité à se servir d'armes, donc forcément, il y a toujours une part de dangerosité. Direction les abîmes, à proximité du lieu où Daniel a été abattu. Les hommes de l'unité spéciale se déploient dans la barre d'immeubles, dans la plus grande discrétion. L'appartement ciblé est repéré. La colonne d'assaut est prête à investir les lieux à l'aide d'un bélier. Bélier. Dans l'appartement, le suspect est arrêté et menotté avant même d'avoir eu le temps de sortir de son lit. Les enquêteurs vont maintenant ratisser de fond en comble le logement à la recherche de l'arme ayant servi à tuer Daniel. L'individu interpellé n'a que 19 ans. Il ne semble pas désarçonné face à la présence des policiers. Aucune arme n'est retrouvée dans son appartement. Pourtant, les policiers ont mis la main sur une vidéo troublante circulant sur les réseaux sociaux. Trois jours après, un deuxième suspect a été interpellé. Ils seront tous placés en détention provisoire. Ils risquent jusqu'à 30 ans de prison. En Guadeloupe, les violences avec armes sont trois fois supérieures à la moyenne nationale. Depuis son arrivée sur l'île, le procureur Xavier Bonhomme a fait de cette violence par arme à feu sa priorité. Par le passé, il a officié en Corse et à Marseille, des lieux également touchés par ce problème. Mais d'après lui, c'est en Guadeloupe que la situation est la plus préoccupante, alors que l'île ne compte que 400 000 habitants. Il y a un chiffre qui est significatif, hein, sur un plan national.
Vous avez un meurtre, un homicide pour 5000 habitants, un Guadeloupe, c'est un pour 10 000. C'est 10 fois plus. C'est une moyenne que nous constatons d'année en année. L'année dernière, c'est pratiquement 950 vols à main armée qui ont été commis en Guadeloupe. Donc tout un chacun peut en être victime, parce qu'on peut se faire braquer son véhicule, on peut se faire effectivement braquer lorsqu'on est dans un commerce. Donc ça, nécessairement, ça peut toucher tout le monde. Pour lutter contre la prolifération des armes à feu, le département a mis en place une opération baptisée « Déposons les armes ». Si cette action est ponctuelle sur le territoire national, elle est permanente en Guadeloupe. La population peut ainsi déposer volontairement ses armes, sans crainte de poursuites pour détention illégale. Affiches et spots publicitaires sont ainsi diffusés régulièrement par les organes de presse locaux. Déposer les armes. Toutes les armes. Mise en place il y a quelques années, alors que la Guadeloupe occupait la première place des départements les plus criminogènes de France, cette action a permis de récolter près de 400 armes et 5000 munitions. Le commissaire Andrés nous présente quelques exemples déposés récemment. Alors on a un bon échantillon de ce qu'on peut trouver en circulation en Guadeloupe, donc des fusils. Soit des fusils qui sont maintenus en l'état, comme on peut avoir sur la table, un fusil à pompe, un fusil semi-automatique. Ça, c'est Kima, modèle 75 auto, c'est une réplique de Beretta. Sur cette terre de chasseurs, les fusils de chasse sont les armes les plus répandues. Mais une fois entre les mains des délinquants, elles sont la plupart du temps modifiées pour devenir plus dangereuses. On a des armes de chasse qui sont modifiées, la crosse qui raccourcit et le canon qui raccourcit, de manière à ce que ce soit plus facilement transportable pour ces malfaiteurs. À la base, c'est un fusil qui est prévu pour partir à la chasse. Ça permet de soit tirer sur du gibier, soit sur du volatile. Après, oui, c'est dangereux parce que celui qui s'est retrouvé en possession de cette arme a raccourci le canon. Les canons ont raccourci la crosse et tout ça pour se promener avec le long du corps ou à tenir en une seule main, à une seule main. Donc oui, ça devient forcément dangereux. Ouais. Mais cette opération a ses limites. La majorité des armes déposées par les citoyens proviennent d'héritages familiaux dont ils veulent se débarrasser. Les armes automatiques, comme celle utilisée pour le meurtre du jeune Daniel, restent, elles, en circulation. Aujourd'hui, toute la ville du Moule s'est déplacée pour rendre un dernier hommage à Daniel. Autour de ses parents, les amis du jeune homme et de nombreux anonymes touchés par le sort cruel qui s'est abattu sur cette famille. C'est tombé sur Daniel. On n'y pensait pas parce que Daniel, c'est un enfant du Moule. Quoi. Tout le monde le connaît. On n'aurait jamais pensé que ça arrive à Daniel. Ça arrive à beaucoup de jeunes, mais quand ça arrive à quelqu'un qu'on connaît personnellement, c'est mince, là, on n'y croit pas, on réalise pas, quoi. Il faut arrêter cette violence, c'est pour un scooter, pour un véhicule. Franchement, si on se rassemble aujourd'hui, c'est pour un bon pote à nous, quelqu'un qui ne méritait pas ça, quoi. Si la violence enlève des vies, elle bouleverse également celle de ceux qui restent. Ici, depuis plusieurs années, les faits divers tragiques s'accumulent. Et la peur envahit le cœur des Guadeloupéens. Pendant les enfants qui sont à l'école, nous, parents, on travaille, on demande est-ce qu'on est à l'abri de tout ça. Lorsqu'on va travailler, on nous appelle pour dire votre fils, votre enfant, j'ai peur, monsieur, j'ai peur. Je vous ai dit ça, mais j'ai peur. Courant d'année 2017, 158 policiers et gendarmes sont venus renforcer la lutte contre la criminalité en Guadeloupe. Aujourd'hui, que ce soit du côté des autorités ou des citoyens, la prise de conscience est générale. Tant que les armes resteront aussi nombreuses sur l'archipel, la Guadeloupe continuera de pleurer ses enfants.